on va commencer à Abidjan. Je suis quand on tourne, on regarde. La première édition s'est déroulée le samedi 15 mai au stade de l'université. Avec plus de 3000 femmes, on a eu la participation de tous les corps des femmes. Nous avons eu la participation de 1033 femmes de l'armée et beaucoup, trois ministres, la ministre d'État elle-même, la ministre de la Femme et le ministre de tutelle et le ministre d'Amour Poulain. Nous avons aussi la participation de beaucoup de femmes d'associations, de femmes leaders. Et nous n'avons pas voulu nous arrêter là. Le 7 novembre dernier, on était à Poitiers. Notre ministère des tutelles nous a dit, mais pourquoi tu fais deux fois? Tu as fait Abidjan, il faut t'arrêter, tu vas faire l'année prochaine. Le ministère de la Femme, dit, madame le ministre, c'est vrai, mais vous savez qu'autour du matin, il y a des filles qui sont sauvées et il y a des femmes. Le 15 mai. Et à partir de là, ça nous a permis en même temps d'aller à l'intérieur. Voyez-vous? Mais l'étape d'Abidjan, en fait, c'est comme elle démarre en milieu d'année. Donc, du coup, c'est pas une année normale, une année civile. Okay? Donc, quand on commence le 28 mai à Abidjan, ça nous permet en même temps de lancer les éditions de l'intérieur. Donc, si vous voulez, c'est une finale pour l'édition. Pour la parade qui s'est tenue, mais en même temps, c'est un top départ pour l'autre édition de la vie. À venir sur le MAFEMSI, tu me mets en contact avec l'entreprise. Quand c'est bon, tu as des 30%. Tu connais une autorité qui peut nous aider. Tu me mets en contact avec cette autorité. Quand je vais, quand c'est bon, tu as des 30%. Je voudrais dire grand merci à Mme Cissé qui nous reçoit ici, président de l'ONG Bloom. Cette ONG fait beaucoup pour la femme, pour l'autonomisation de la femme. Elle a des fonds pour les femmes, pour aider les femmes en